différences de l'entreprise ont été imaginées par nous à Nakofi, bien sûr. C'était notre contribution au développement ou à la recherche d'aide au développement des entreprises. Nice est en fait l'endroit où ces conférences de l'entreprise ont été créées pour la première fois, il y a déjà quelques années. Il y a une raison à cela, hein, c'est que la Nakofi à la base, mais alors on remonte à il y a quelques années quand même, a été créée en fait entre des Parisiens et des Niçois. Donc Nice est un de nos laboratoires mécaniquement. Quand on a imaginé les conférences de l'entreprise, qui sont en fait toujours des événements autour de l'accompagnement de l'entreprise et de l'entrepreneur, et ou de l'entrepreneur. Et on a voulu essayer de le faire ici dès le début. Ça s'est très bien passé. On a eu un accueil assez sympathique de toutes les autorités, de toutes les organisations qui pouvaient avoir un intérêt dans ce genre de thématique. Un auditoire qui sera composé de conseillers à l'entreprise et de chefs d'entreprise venus pour essayer de discuter de comment faire au mieux pour développer leurs entreprises. C'est le thème. La répartition semble être, pour ce que j'en ai vu, à peu près 2/3 de chefs d'entreprise, 1/3 de conseillers. Vous avez une plénière où on va débattre autour de ce que pourrait apporter la loi Macron et quelques autres textes, puisque vous avez vu qu'hier on a eu 18 propositions du Premier ministre. Ensuite vous aurez des ateliers, 4 ateliers vont parler de comment motiver ces employés, ou que peut-on faire pour les accompagner jusqu'à une espèce de kit de survie de l'entrepreneur. On va essayer de présenter et de discuter d'ailleurs avec la salle. Vous aurez ensuite la remise d'un prix, ce truc un peu ludique qui s'est mis en place l'année dernière et qui marche très bien. Vous allez avoir des chefs d'entreprise qui vont venir pitcher et on va leur remettre un prix. Vous aurez à la fin un moment qui a été conçu comme un moment d'échange entre les participants, puisqu'on va mélanger dans cet événement des conseillers à l'entreprise et à l'entrepreneur et des entrepreneurs. Donc on va leur laisser un moment pour discuter un peu professionnellement autour d'un moment un peu sympathique, d'un cocktail.